Donc on est au TAPS Scala, donc jusqu'à vendredi 31 mai, il y a un spectacle qui s'appelle Eaux-les-Bains, mis en scène par Jean-Luc Falbriard. Donc vous travaillez tout à l'heure avec des serpillières, pourquoi ? Bah ouais, parce qu'il faut ramasser l'eau. À l'issue du spectacle, il y a beaucoup de litres d'eau qui ont été versés sur scène, donc c'est bien trempé, et puis voilà, il faut ramasser tout ça pour préparer pour demain. Donc il faut dire, le spectacle a été créé en 2008, par l'équipe du Cafteur, et je pense que c'est les dernières séances, donc tout le monde doit se dépêcher pour voir. Hein. C'est vrai qu'il faut vite venir au Scala, il reste quelques séances, quelques places, n'hésitez pas à venir le soir même, il y a toujours quelques petites places qui se libèrent, et c'est vrai qu'on le joue depuis plus d'une centaine de fois maintenant, ce spectacle, un peu dans toute la France et en Belgique, et on est ravis de le reprendre pour la deuxième fois à Strasbourg, au TAPS. Et comme le nom l'indique, Eaux-les-Bains, on pense plutôt à Saulx-les-Bains ou Niederbronn. Est-ce que c'était un spectacle conçu spécialement ici pour cette région assez thermale ? Bah on l'a créé à Niederbronn-les-Bains. En fait, on était en résidence en 2008 là-bas. On allait rencontrer les gens qui vont faire des soins. On a rencontré les gens qui s'occupent des curistes à Niederbronn-les-Bains, au centre de cure. Et on s'est un peu inspiré de ce qu'ils nous ont raconté. On a improvisé à partir de certains lieux qui existent dans ces centres de cure. Et c'est comme ça que s'est créé le spectacle, avec la volonté d'en dire le moins possible et d'en montrer le plus possible. Est-ce qu'il y a quand même des modèles pour ce... Donc le sous-titre est aussi spectacle visuel burlesque. Donc, et le mot visuel est assez important. Oui, c'est vrai que c'est une technique de jeu que moi j'aime beaucoup, à savoir raconter avec le corps, raconter avec les situations, des personnages, des moments de vie, et donc avec très peu de mots, mais beaucoup, voilà, c'est entre le théâtre dansé, le mime, la danse elle-même, on essaye de divertir les gens en même temps, d'où le mot burlesque aussi, donc on est dans l'esprit de certains films de Jacques Tati ou de Chaplin tout simplement aussi, hein, voilà, on est très proche de ce genre de registre de jeu. Je pense qu'il y a quand même des citations aussi des vacances de Monsieur Hulot. Hein. Oui, c'est vrai que Tati, c'est une façon de filmer, une façon de jouer qui m'a toujours beaucoup intéressé, parce que voilà, avec très peu, c'est l'économie des choses, quoi. Avec un bout de papier, d'un seul coup, on peut créer tout un univers avec pas grand chose, et c'est ce qui nous a fasciné un petit peu. On a eu envie de créer aussi un espace de jeu, des outils, un décor qui permettent le jeu, et après de laisser libre cours à notre imaginaire. Je pense que quand on pense au thermalisme, il y a aussi toujours une notion d'érotisme qui est certainement cherchée aussi dans ce spectacle. Bah, c'est vrai qu'un lieu de cure, on est plutôt nu. Là, ils sont évidemment en maillot de bain ou en peignoir. On est plutôt débarrassé de son uniforme social. Et forcément, la peau appelle à une forme de sensualité, quels que soient les corps. Et c'est ça qui nous intéressait aussi, les corps sont pas tous, ils sont normaux, c'est des gens normaux, voilà. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi de jouer sur ce registre-là, sans vulgarité évidemment aussi. Et puis quand on va dans un sauna, on est nu, donc on a aussi un personnage qui se retrouve nu sur scène. Donc et ça provoque ou le rire, ou la gêne, ou l'érotisme. Voilà, donc dernière question, donc Eaux-les-Bains jusqu'au 31 mai ici au TAPS Scala à Neudorf, à Strasbourg, est-ce qu'il y aura encore d'autres dates ici dans la région ? Ah non, ce sont nos dernières dates dans la région, malheureusement, hein, voilà, mais ça fait maintenant quand même pas mal d'années qu'on le joue, ce spectacle, toujours avec autant de plaisir. On est ravis de retrouver le public strasbourgeois. Si on pouvait le jouer plus longtemps encore à Strasbourg, ce serait avec plaisir qu'on le ferait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient le voir en Corse, et beaucoup aimeraient le revoir aussi. C'est un spectacle qu'on aime bien revoir, parce qu'on y retrouve toujours d'autres petits détails. Merci beaucoup Jean-Luc Falbriard, donc metteur en scène de Eaux-les-Bains. Merci à vous.